Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de ces nouveaux rendez-vous de redevabilité. Comme nous l'avions annoncé à notre dernier briefing, aujourd'hui nous allons faire un focus sur le programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Pour rappel, ces programmes constituent la réponse nationale à la problématique de groupes armés. Vous savez qu'il y a des groupes armés écument la partie est de la RDC. Depuis plusieurs années, on parle des groupes armés en Ituri, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans les Maniema et dans une partie de l'ex-province du Katanga. Quelle est la réponse nationale? Comment la structure qui a été relancée depuis octobre dernier avec la nomination du professeur Abbé Baala, qui est ce soir, c'est lui qui va répondre aux questions de médias sur ce processus. Comment nous avons évolué? Qu'est-ce que ça représente dans le processus global de la résolution du problème dans l'Est? Vous savez par exemple qu'à Nairobi, lorsque les chefs d'État de la région s'étaient rencontrés, il y avait un volet politique qui concernait notamment les discussions avec les groupes armés. Vous aviez sûrement vu le professeur Serge Tshibangu et son panel travailler à Kinshasa, à Goma, à Bunia, à Bukavu, pour discuter avec les groupes armés. Nous avons vu les facilitateurs Uhuru Kenyatta être ici à Kinshasa dans le même cadre. Mais parallèlement, il y a un processus qui s'est fait. Il y a des sites qui s'aménagent parce qu'il faut s'assurer qu'ils sont démobilisés, qu'ils sont réintégrés socialement dans la communauté. Et c'est l'abbé Jean Bosco Baala qui s'occupe de ces programmes. D'abord, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité où nous voulons parler d'une question cruciale pour ce qui concerne le retour de la paix à RDC. Mais d'abord, monsieur l'abbé, pouvez-vous nous dire alors pourquoi un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDCRS? Merci beaucoup, Excellence, monsieur le ministre. Mais vous êtes aussi honorable député, n'est-ce pas? Et je voudrais remercier également toute la corporation de la presse qui est venue ici et saluer certains de nos invités qui sont venus. La présence de mon coordonnateur adjoint chargé des questions opérationnelles et techniques, M. Kapuku Boaboa William. Merci d'être là avec les membres, beaucoup de membres de notre staff. Je voudrais dire que cet exercice, nous n'avons pas voulu le faire avant de savoir d'abord où nous sommes en train d'aller avec ce programme qui a été créé par le chef de l'État, vous le savez. En fait, ce n'est pas depuis juillet 2021, parce que c'est là que l'ordonnance instituant le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a été signée. Non, ce programme date déjà de 2019. Parce que dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État avait promis de ramener la paix dans tous les pays, et spécialement à l'est du pays. Il l'a dit même à Bukavu, où il avait dit qu'il était prêt à donner sa vie pour que la paix revienne. Et c'est comme ça que, dans une rencontre en 2019, en marge de l'inauguration de l'IITA, il avait réuni tout son conseil de sécurité. Et il nous avait demandé de créer un programme qui puisse l'aider à mettre fin à la prolifération des groupes armés et à ramener la paix. Mais un programme qui puisse corriger les anciennes, peut-être les anciennes tares des programmes précédents. Et c'est comme ça qu'il voulait un programme qui puisse faire de celui qui avait pris les armes, l'ex-combattant, un acteur de développement dans sa communauté. C'était la nouvelle vision que le chef de l'État a voulu impulser. Et c'est comme ça que nous avions commencé ce qu'on a appelé le programme SIAP DDRC, parce que ce programme-là, la commission interprovinciale d'appui à la sensibilisation pour les désarmements, démobilisation et réinsertion communautaire a été donc le soubassement de ce programme PDDRCS. Parce qu'en ce moment-là, on a pu donc rencontrer les groupes armés, Moressa 1, Moressa 2, Amani. On a pu démobiliser même 3000 hommes qui étaient à Mubambiro, que le chef de l'État avait même rencontré, et d'autres qui étaient à Nyamunyunye, etc. C'est le soubassement du programme. Et ce programme, donc, après que les études stratégiques aient été faites,
l'ordonnance est venue consacrer le programme et quels sont les buts principaux du programme. Je crois que on vous a donné peut-être, on devait vous distribuer un petit encart que nous avons fait. Il faudrait peut-être que l'on puisse le donner pour que vous ayez une idée sur le programme, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. On est en direct, ça va se faire. D'accord. Eh bien, le programme PDD-RCS est d'abord un programme de stabilisation, un programme de paix, un programme de cohésion sociale qui a regroupé tous les anciens programmes. Le chef de l'État a voulu un programme national qui puisse s'occuper non seulement de la cohésion sociale, de la transformation des conflits, qui puisse s'occuper du dialogue intercommunautaire, qui puisse s'occuper des questions de désarmement, démobilisation et réinsertion économique et réinsertion dans la communauté et réintégration dans la communauté de ceux qui portaient les armes. Il en a fait un programme qui s'occupe aussi et surtout de ramener l'autorité de l'État partout où elle manquait. Un programme qui est chargé également de questions sécuritaires, parce qu'il fait partie de ce qu'on a appelé la RSS, c'est-à-dire cette réforme dans les accords qui avaient été faits, vous vous rappelez, à Addis Abeba. On avait parlé de la réforme du secteur de sécurité. Ce programme s'inscrit donc exactement dans ce programme-là. Ensuite, il y a la question économique. Parce que ce programme a aussi comme but de faire en sorte que là d'où sont venus les groupes armés, le développement revienne pour qu'ils puissent contribuer à la stabilisation. Et ce programme également s'occupe de la question, justement, du désarmement, du désengagement de tous ceux-là qui avaient porté les armes, de leur démobilisation réelle. Il y a aussi un pilier. Je ne sais pas si l'on peut nous faire passer les images et faire défiler peut-être est-ce que la technique... Allez-y, oui. S'il vous plaît. Okay. Eh bien... Nous avons dans le programme des structures qui s'occupent de la communication et de la sensibilisation. Je voulais donc vous dire qu'aujourd'hui, le devoir qui nous incombe, c'est de pouvoir vous dire quelles sont les avancées de ce programme. Qu'est-ce que nous avons pu faire pendant les 3 mois ou 4 mois où nous sommes déjà là? Nous voulions vous exprimer également notre volonté de pouvoir aller de l'avant pour que les buts et les objectifs de ce programme puissent se faire. Nous avons des structures qui gèrent le programme. Je vais vous en parler. Il y a d'abord la coordination nationale. Il y a les coordinations, il y a le comité de pilotage d'abord, et puis la coordination nationale, et puis les coordinations provinciales. Mais avant cela, il y a le comité exécutif. Et il y a les antennes territoriales dans lesquelles, justement, évolue le programme. Nous avons donc, aujourd'hui, dans la mesure de ce qui a été fait, nous avons pu identifier, lorsque nous avons commencé notre travail, nous avons pu identifier les points majeurs et les projets qui devaient être mis en place. Pourriez-vous m'aider en mettant justement les textes que nous... Oui. Alors, nous sommes en train de vous montrer que lorsque nous sommes arrivés, nous avons rencontré quelques avancées qui avaient été faites dans le programme. Et ces avancées, c'était d'abord la production des plans opérationnels provinciaux, des plans opérationnels nationaux, le plan de la stratégie nationale. Alors peut-être qu'avant que vous ne puissiez avancer,
il y a des problématiques, on s'est dit, on parle de 120 groupes armés, on parle de 250 groupes armés. Peut-être qu'il faudrait nous dire combien de groupes armés, ou plus ou moins en évaluant, que vous avez recensés, nous dire dans quelles provinces sont-ils répartis, en tout cas pour la plupart, et comment vous procédez justement, d'abord en les recrutant, comment ça fonctionne la connexion, et qu'est-ce qui a été fait, par exemple, au niveau du Grand Kivu, du Sud Kivu, des Lituri. Aller un peu avec des exemples plus concrets pour nous permettre de nous saisir de l'évolution de la problématique. C'est cela justement, Excellence. Je voulais vous dire que lorsque nous avons commencé le travail, nous avons d'abord fait un état des lieux de ce qui existait dans le programme. Nous avons donc voulu tout d'abord, et c'était ça la recommandation qui nous avait été donnée par le président du comité de pilotage, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a demandé d'abord de pouvoir mettre en cohérence l'administration du programme. Nous avons fait un nouvel organigramme et bientôt nous allons donc nommer les directeurs sectoriels qui vont travailler avec nous. Nous avons repris contact avec tous les groupes armés et tous les chefs des groupes armés pour qu'ils puissent, parce que depuis Nairobi 3, nous étions rendus compte, beaucoup de gens s'étaient rendus compte qu'il y avait une augmentation exponentielle des groupes armés. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons pu constater maintenant que les groupes armés deviennent de moins en moins nombreux et beaucoup sont demandeurs de pouvoir entrer dans le programme. Et c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, nous pouvons dénombrer moins de 100 groupes armés qui sont là. Et c'est dommage que nous n'ayons pas les images parce que nous avions présenté... La technique pourra les apprêter. C'est très dommage parce que ça devrait se faire. Eh bien, nous voulons vous montrer également que actuellement, beaucoup de groupes armés qui existaient sont demandeurs d'entrer dans le programme de désarmement. Ensuite, nous avons repris les contacts avec tous les partenaires nationaux qui travaillent avec nous au niveau du gouvernement. Parce que le programme de désarmement et de mobilisation, relèvement communautaire, a englobé tous les anciens programmes qui fonctionnaient, qui s'occupaient de plusieurs secteurs qui aujourd'hui ont été mis dans le programme. Et c'est comme ça que le chef de l'État avait donc annulé le CONADER, l'UPNDDR, le DDR1, le DDR2, le STAREC, la SIAP, DDRC, tous ces programmes ont été englobés dans un seul programme et qui est devenu un programme national qui ne s'occupe pas seulement de l'Est du pays, qui va s'occuper aussi de tout le pays parce que nous avons l'intention d'ouvrir des antennes provinciales, non seulement vers le Kasaï pour la question des Kamina Sampo, vers Kwamut avec l'affaire de Mombondo, vers Kisangani, avec ce qui se passe là-bas avec les tribus qui sont là-bas en conflit, vers le sud, avec ce qui se passe aujourd'hui, les Bakatakatanga et compagnie. Donc aujourd'hui, nous avons pu remettre ceux qui attendaient la démobilisation, nous avons pu les remettre. Nous avons mis à jour tous les sites qui doivent contenir le programme. Et donc, pour le moment, les avancées que nous avons connues, c'est que beaucoup de groupes armés qui étaient réticents et qui étaient réticents à entrer dans le programme acceptent maintenant de venir. Très bien. Non, ça veut dire parce qu'on va passer la parole aux journalistes qui vont nous permettre d'évoluer bien dans le sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais il faut rappeler ici que le président de la République, en marge justement des réunions de Nairobi, avait eu l'occasion de s'adresser lui-même, c'était par visioconférence, aux différents groupes armés pour leur demander de rejoindre justement la nation et de cesser le travail des armes. Et donc il y a eu un véritable engouement qui a été perturbé par la recrudescence du conflit avec l'M23. Nous aurons l'occasion de revenir. On va prendre la question de Félix Matuidi.
Merci pour la parole, monsieur le porte-parole du gouvernement congolais. J'ai deux questions pour le coordonnateur national du programme PDRCS. Je me situe en Ituri, dans la province de l'Ituri. L'actuel coordonnateur provincial éprouve d'énormes contraintes pour faire fonctionner l'antenne. Bien avant sa nomination, celui qui précédait a été accusé de détournement et de méjection. Alors, depuis lors, les PDRCS en Ituri est aperçu par la population locale comme une lettre morte. Il se pose alors un problème de bonne gouvernance de la gestion des fonds. Les agents accusent même de plusieurs mois d'arriérés des salaires. Comment comptez-vous recréer la confiance entre les animateurs, c'est-à-dire l'antenne provinciale, et la population cible? Deuxième question, cette situation de mégestion crée la problématique de la prise en charge des ex-rebelles et des rendus. Alors, créer un retard de l'opération de désarmement et un refus de la part des groupes armés de respecter les actes d'engagement récemment signés, les cas par exemple de FRPI. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'on répond directement ou bien allez-y, s'il vous plaît. Nous prenons déjà. Voilà. C'est une question très particulière, celle qui s'est passée en Ituri. C'était une question d'ailleurs interne, je crois. Elle était interne d'abord à la gestion de l'ancienne équipe que nous avons remplacée. Un problème de discipline entre le coordonnateur provincial et un des membres de la coordination nationale. Et ce problème avait donc été donc devenu difficile à gérer. Nous sommes en train aujourd'hui d'essayer de mettre un terme justement à cette absence, parce qu'on avait arrêté, je crois, l'ancien coordinateur. La question que vous posez aujourd'hui, c'est celle justement de savoir comment nous allons résoudre la question de la gestion du personnel que nous avons rencontré. C'est ça peut-être la question. Parce que tous ceux-là qui ont été peut-être engagés, tous ceux qui ont été, on ne pouvait pas, ils n'étaient pas inscrits dans un organigramme qui était bien précis. Et donc il y a eu des gens qui étaient engagés et qui n'ont pas, alors que le budget n'était pas encore fait. Et donc ces questions-là, nous sommes en train de les résoudre aujourd'hui. Nous avons fait une mission d'état des lieux. Nous avons pu faire le constat de ce qui a été fait. Et ce problème, aujourd'hui, est en voie de résolution. Voilà, sur la deuxième question. La problématique de la prise en charge. La problématique de la prise en charge est aussi une question qui semble difficile à gérer pour le moment. Difficile à gérer, pourquoi? Parce que au début, qu'est-ce qui s'était passé? On mettait des gens dans des camps de regroupement et on les nourrissait là-bas. C'est ce que nous sommes en train de changer aujourd'hui dans le programme. On mettait des gens dans des camps de regroupement et on les faisait durer là-bas. Le programme ne prévoit pas de laisser les gens plus de 45 jours dans un camp, n'est-ce pas? Et ils doivent, après trois mois, passer à l'étape du relèvement. Du relèvement communautaire, c'est-à-dire de la réinsertion réintégration dans leur communauté, pour qu'ils puissent participer au développement dans un projet relevant dans leur communauté. Et là, c'était peut-être cela qui a manqué, c'est qu'on a gardé des gens là-bas, on a commencé à les nourrir sans avoir les moyens de le faire. Il faut avoir beaucoup de moyens pour le faire. Et peut-être c'est cela que nous sommes en train de vouloir résoudre. Maintenant, le problème n'existe plus. Il n'y a plus de problème de prise en charge là-bas, parce que nous avons pu trouver des solutions. Et pour le moment, le camp, par exemple, de Django, c'est par le camp de Django que nous allons commencer vraiment le travail de réinsertion et de relèvement communautaire. Nous allons commencer par là. Bientôt, d'ailleurs, Le camp de Django, c'est où? C'est à Ituri. Okay. Il parlait de l'Ituri, n'est-ce pas? Voilà. Oui. On va prendre la question de M. Oscar Mbal. Et puis ce sera M. Descris. Merci, Excellence, pour la parole. Félicitations, Monsieur le coordonnateur du PDDRCS. Vous avez pris les commandes de cette structure. Ça fait pratiquement 6 mois. Est-ce que je voudrais savoir...
6-7 mois. Je voudrais savoir si vous avez justement la maîtrise des rouages de cette structure, parce que vous venez à peine d'arriver. La maîtrise des rouages. Comment les choses se passent, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Vous avez dit vous-même que ça n'a pas commencé aujourd'hui, le PDDRCS. Deuxième question, je voudrais également savoir si vous avez les moyens de votre politique. C'est ça les nerfs de la guerre. Les ex-combattants se livrent, se rendent au phare d'essai, mais quand ils arrivent dans les camps des pré-cantonnements pour leur démobilisation, souvent ils manquent à manger. Et j'apprends d'ailleurs que certains camps commencent à se vider parce que les moyens ne suivent pas, la prise en charge ne suit pas. Je voulais savoir si vous avez vraiment des moyens suffisants pour l'encadrement de ces ex-groupes, des éléments de des groupes armés qui se rendent au phare d'essai parce qu'ils ont choisi le chemin de la raison. Peut-être la petite sous-question, je voudrais aussi savoir si les partenaires internationaux qui avaient accepté d'accompagner les PDDRCS, parce que j'ai appris que certains hésitaient pour financer les PDDRCS, avec cette nouvelle dynamique à la tête, est-ce que ces partenaires ont finalement accepté de vous accompagner? Merci. Merci beaucoup. Allez-y. Eh bien, je vais répondre d'abord à la première, en vous signalant que nous avons été nommés par le président de la République le 16 octobre 2023. Donc, nous n'avons pas encore fait 6 mois. Nous avons déposé de nouveau notre rapport des 100 jours. Et nous pouvons dire que depuis que nous sommes arrivés, et c'est ce que j'avais commencé à vous révéler, nous avons fait de grandes avancées. Nous avons rencontré d'abord, nous avons voulu d'abord rencontrer tous les partenaires qui étaient là. C'est dommage que les images n'ont pas été mises, je suis désolé, parce que tout cela a été fait en images, nous avions préparé cela pour que vous puissiez... Vous avez d'autres canaux de communication, hein? Monsieur Labbé, oui, ici d'accord. C'est les briefings, mais et nous revenons voilà. Sur des questions essentielles. Et donc, nous pensons que nous avons fait les premiers constats, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas encore eu de véritables démobilisations pour qu'on rende les gens à leur communauté, pour qu'ils puissent commencer à participer vraiment au relèvement de leur communauté et à la stabilisation. Mais un travail avait été fait parce que nous avons pu, en ce moment-là, faire d'abord la cartographie des projets qui étaient en cours, des projets qu'il fallait soutenir, qu'il fallait continuer. Nous avons fait le tour de tous les partenaires. Ça répondra aussi à votre deuxième question, pour que nous puissions leur expliquer dans quelle dynamique nous sommes en train de venir. Parce que nous voulions d'abord nous passer à l'opérationnalisation du programme, pour que le programme devienne vraiment un programme non seulement de sécurité, qui remet la sécurité et qui remet également la paix, un programme qui fait le travail de transformation des conflits, un programme qui fait le travail justement de notre premier pilier de cohésion sociale, mais aussi un programme qui permet à l'ex-combattant de pouvoir retrouver sa communauté et de pouvoir travailler dans sa communauté, dans un projet relevant où sa communauté participe. Et donc nous avons encouragé d'abord tous les projets qui étaient en cours. C'est la mission qu'on avait faite de mise en route. C'est ce que nous sommes allés faire avec tous les partenaires, c'était de revoir avec eux, par exemple, avec les fonds de cohérence et de stabilisation, avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne, avec toutes les ambassades et tous les partenaires qui voulaient déjà travailler avec nous. La confiance est revenue et nous sommes en train de passer en revue les projets relevants dans lesquels ils vont travailler avec une nouvelle méthode. Nous nous sommes dit que désormais, il fallait que nous puissions mettre en place des mécanismes, non seulement pour pouvoir identifier les projets à mettre en route, les organes d'exécution, mais aussi le suivi et l'évaluation des projets. Donc ça, c'est une avancée majeure. L'autre avancée que nous avons faite depuis, pour répondre à votre question, c'est que nous savons maintenant qu'il y a des partenaires techniques et financiers qui sont prêts à nous soutenir. Mais le premier partenaire qui doit nous soutenir, c'est le gouvernement.
Vous vous rappelez donc que le chef de l'État avait dit dans son discours, vous vous rappelez, le discours de la nation, il avait dit, je demande au gouvernement de donner les moyens au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour atteindre ses objectifs. Et il a dit, j'ai nommé une nouvelle équipe pour pouvoir redynamiser ce programme. Et cette redynamisation passe justement par ce que vous êtes en train de dire. Elle passe d'abord par le fait que nous sommes en train de mettre en cohérence tout ce qui a été fait avant. Nous sommes en train d'aller vers ceux-là qui ont accepté de déposer les armes. Et ils viennent aussi à nous, ils sont demandeurs. Vous vous rappelez, vous avez vu ça dans la presse certainement. Il y en a qui sont venus, il y a un groupe d'ex-combattants qui sont allés, qui sont venus du nord, de Djougou, qui sont allés à Bounia, qui ont rejoint donc les camps de Django dernièrement, 19 personnes qui appartiennent à Djougou. Il y en a d'autres qui sont en train de venir, qui sont en train de quitter, qui sont en train d'aller vers Beni. Nous sommes donc en train de faire un travail maintenant systématique pour que le programme puisse avancer et aller de l'avant. Voilà, on va prendre la question de Chris Tshibinda et puis ce sera Joséphine Maouité. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Monsieur le Coordonnateur. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous nous dire le sort de tous ces compatriotes qui ont été désarmés depuis Belle-Lurette, notamment dans la province du Nord Kivu, où se trouvent ces compatriotes-là, et comment les encadrez-vous? L'essor des compatriotes qui ont été par le passé... Oui, désarmés depuis Belle-Lurette. D'accord. Eh bien, comme je vous l'ai dit, le programme dont nous avons hérité avait été précédé par différents autres programmes. DDR1, Conader d'abord, UPNDDR, Conader, DDR1, DDR2, Starek, programme Amani, etc., SIAP. On s'est rendu compte, quelle était la critique d'ailleurs qui avait été faite sur les anciens programmes? C'est que d'abord, ils étaient trop dépendants de financements extérieurs. Vous comprenez? C'est que ensuite, dans leur structure, on s'est rendu compte que il y avait une trop grande bureaucratisation, une trop grande bureaucratie qui consommait peut-être même 80% des ressources au lieu que ça aille travailler sur le terrain. C'est qu'aussi, il n'y avait pas de durabilité des résultats. Parce que le résultat devrait être qu'il n'y ait plus de groupes armés, qu'il y ait éradication des groupes armés. C'est que la méthode qui était utilisée en ce moment-là n'était pas adéquate. Parce qu'on donnait quoi? Le programme était centré sur l'ex-combattant. On lui donnait un kit de désarmement. Ce kit-là, c'était un vélo, une moto, une machine à coudre, je ne sais pas quoi encore. Et quand il rentrait dans sa communauté, c'était comme si on avait récompensé quelqu'un d'avoir nuit à sa communauté. Il redevenait donc... Alors, chaque fois que les mêmes causes qui avaient fait qu'il prenne les armes revenaient, cet homme s'engageait de nouveau dans un groupe armé et vous le retrouviez encore dans un autre programme de désarmement, au point qu'il y en avait qui avaient une, deux, trois, quatre cartes de désarmement selon les programmes. Eh bien, aujourd'hui, l'accent n'est plus mis sur l'ex-combattant, mais l'accent est mis sur la communauté. C'était ça la nouveauté que le chef d'État voulait introduire. Tout se fait par la communauté, dans la communauté, pour la communauté et avec la communauté. L'ex-combattant, avec les membres de sa communauté, participe à un projet de relèvement dans sa communauté, un projet comme par exemple un projet de travail à haute intensité de main-d'œuvre pour ouvrir des routes. Nous sommes en train d'expérimenter cela à Ouvira, par exemple. Nous allons le faire bientôt à Lubero et ailleurs. Eh bien, il participe, il choisit un métier. Et on les forme à un métier. C'est pour ça que, justement, on travaille avec les organismes qui acceptent de travailler avec nous pour créer de l'emploi. Dans les plantations qui avaient été abandonnées,
Nous avons des plantations. Ceux qui sont, par exemple, à Django, où nous avons dit à Ituri, vont bientôt commencer le travail dans une plantation dans laquelle ils vont apprendre le métier, justement. Nous avons encore d'autres lieux où nous sommes en train de travailler à pouvoir créer. Nous allons créer des écoles de métiers. Des gens qui vont s'engager dans la menuiserie, dans la maçonnerie. Vous savez que quand vous voulez construire une maison là-bas à l'Est, par exemple, vous devez chercher la main-d'œuvre dans les pays voisins, ce qui n'est pas intéressant, parce qu'il n'y a pas assez de maçons, il n'y a pas assez de menuisiers. Et donc nous sommes en pourparlers avec l'INPP, avec d'autres ministères, pour que nous puissions créer des écoles de métiers. Et c'est ça justement le point sur lequel nos partenaires sont d'accord avec nous, que nous devons donner un exutoire, donner une issue à ces jeunes parce qu'ils vont dans les groupes armés. Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent défendre leur communauté, comme on dit. Il y en a qui vont là-dedans, qui rentrent là-dedans, parce que justement, ils n'ont pas trouvé une issue à la vie. Et c'est pour ça que nous leur donnons un espoir de pouvoir vivre demain, d'avoir un métier et d'abandonner l'arme par laquelle ils pouvaient avoir chapardé, avoir de quoi manger. Nous sommes dans ce processus-là. Ceux qui ont déposé les armes redeviennent membres de leur communauté. C'est de là que nous parlons justement des anciens combattants qui deviennent des citoyens et des civils dans leur communauté pour pouvoir relever leur communauté. Tout à fait. Voilà, on va prendre la question de Mme Mawete et je vais demander à M. Gramic d'avancer. Monsieur le coordonnateur, désarmer les combattants nationaux et étrangers est l'un de vos objectifs, disons, spécifiques. Vous êtes là depuis octobre. Moi, j'ai besoin des chiffres. Combien de groupes ou combien de combattants avez-vous déjà désarmés depuis votre arrivée à la tête de cette structure? Et que comptez-vous faire? Quelles sont les perspectives? Vous avez dit que vous n'avez pas encore 6 mois. Quelles sont vos perspectives à long terme et même à court terme, afin que ces groupes qui sont légions dans les zones des conflits armés puissent bien être désarmés? Merci beaucoup, madame. C'est une question très intéressante pour nous, parce que dans les statistiques que nous avons, le programme était avec comme objectif d'abord de s'occuper d'au moins 50 000 ex-combattants au départ, n'est-ce pas? Ceux qui ont été effectivement intéressés, ceux qui ont été mis dans le programme, nous sommes à peu près 13 000 membres de groupes armés, dans les 13-14 000 membres de groupes armés, qui sont en train d'être, qui sont, si je puis dire, intéressés pour le moment par le programme. Mais dans le concret, les groupes maintenant, ceux qui vont entrer dans le relèvement communautaire, nous sommes dans les statistiques de 5 000, 4 500 qui sont déjà suivis par nous au moment où nous parlons, qui savent que bientôt ils vont rentrer dans le programme de réintégration sociale, de réintégration communautaire et de réinsertion économique, pour pouvoir apprendre les métiers. Ça, c'est d'abord la première chose. Mais aussi, il faut savoir que nous travaillons dans un environnement. Nous travaillons dans un environnement d'abord régional, dans un environnement de guerre pour le moment, vous le savez. Et nous travaillons donc, nous, avec tous les programmes qui s'occupent de tous les mécanismes de tous les mécanismes de paix dans la sous-région, par exemple le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, avec son programme qu'il gère avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, le programme qu'on appelle le groupe de contact et de coordination avec sa cellule opérationnelle. Nous participons à ces travaux. Nous étions dernièrement d'ailleurs à Dar es Salaam pour cela, parce que on cherche un mécanisme non militaire pour inciter les groupes armés étrangers à pouvoir déposer les armes sans coercition. Et nous sommes en train de travailler aussi à un niveau plus haut. Vous savez très bien que bientôt,
la MONUSCO est dans la phase, dans sa phase de désengagement et dans la phase de transition. Et dans cette transition, MONUSCO, nous jouons un rôle, nous sommes appelés à jouer un rôle important, puisque le PDDRC s'occupe de tous les DDR, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les groupes armés nationaux et les groupes armés étrangers. Donc nous allons devoir hériter de ce que faisait justement DDRR MONUSCO. Nous allons devoir hériter de cette expertise, mais aussi faire la passation justement de flambeau, afin que nous puissions continuer ce travail qui était fait à ce niveau-là-bas. Le PDDRC s'occupe aussi des groupes armés radicaux qu'on appelle les groupes terroristes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Congolais qu'on engage dans ces groupes. Il y a des Congolais qu'on recrute. Ces Congolais doivent revenir justement à la vie civile. Et ces Congolais qu'on recrute dans ces groupes armés, on nous demande parfois, on nous a écrit dernièrement, de venir prendre en Ouganda les Congolais qui étaient dans la R et qui étaient originaires de Faradje, par exemple. Nous sommes obligés donc d'avoir cette expertise-là. C'est pour ça que nous avons commencé notre travail d'abord par privilégier la formation. Nous sommes en train de former nos cadres à pouvoir, demain, pouvoir répondre à cette demande. Donc, quand vous parlez de ce qui est en train de se faire et ce qui se fait actuellement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous acquérons l'expérience et aussi la connaissance pour pouvoir gérer justement toutes ces questions-là. Voilà. On va prendre la question de M. Gramic et je vais demander à M. Jacques Moulouba d'avancer. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Bonsoir, cher coordonnateur. Bonsoir, mon frère. J'ai trois petites questions à poser. Ce n'est pas une habitude pour moi de poser des questions. Mais allez-y, s'il vous plaît. Alors, la première des questions, j'ai votre feuillet, je venais là de lire. On nous dit ici que parmi les objectifs, l'objectif global du PDDRCS, c'est la promotion de la stabilité. Ma première des questions, êtes-vous satisfait de la situation dans l'Est du Congo? Est-ce qu'il y a vraiment stabilité? Est-ce votre travail produit des résultats ou non? Parce qu'à notre constat, nous voyons qu'il n'y a pas de stabilité toujours. Est-ce qu'on doit vous applaudir ou non? La deuxième des questions. Vous parlez ici, dans le point, je pense, la restauration de l'autorité de l'État. Parmi les piliers du PDDRCS, vous parlez les piliers de la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité. Alors, la question que je me pose, quel pourrait être votre pouvoir afin de restaurer l'autorité de l'État? Est-ce que cela n'est pas une mission du gouvernement ou bien de vous en tant que programme de restaurer l'autorité de l'État? Si nous constatons que le gouvernement lui-même apparemment sera en train d'échouer dans la restauration de l'État dans ce coin du pays, vous en tant que programme, quel est votre pouvoir? Quel pourrait être le pouvoir que vous pourriez avoir pour restaurer l'autorité de l'État? Alors, la troisième des questions, vous parlez également du dialogue. Là, je pense que c'est dans... J'ai votre fait ici. Parmi les résolutions, la résolution des conflits et la cohésion sociale, vous parlez du dialogue démocratique. Je ne sais pas. Le président nous dit qu'il ne peut pas dialoguer avec ces groupes armés, entre autres les M23. Il dit qu'il ne peut que dialoguer avec le Rwanda. Comment est-ce que vous parlez du dialogue démocratique? Vous allez dialoguer en contradiction avec le président de la République ou comment? Mais je crois que, cher Rami, qu'il faut nous situer dans le cadre de nos échanges. Nous sommes en train de parler d'un programme qui n'est pas un programme en dehors du gouvernement. C'est un programme d'appui à ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous avons la problématique qui existe depuis une bonne trentaine d'années. On a parlé tout à l'heure ici de CONADER, des DDRR, des UPNDDR, de programmes qui ont existé avant. Aujourd'hui, comme disaient les coordonnateurs tout à l'heure, ceux qui sont dans les groupes armés nationaux sont des jeunes Congolais pour qui la République doit donner une réponse. Mais on ne peut pas leur donner une réponse en les ayant dans les groupes armés. Il faut relever ici qu'il y a un problème de sécurité depuis bien des années dans cette partie du pays. Et que les efforts en termes de restauration de l'autorité de l'État qui sont en cours ne dépendent pas du programme qui est qu'un embranchement qui s'occupe d'une question spécifique. Ça veut dire que le moment venu, le gouvernement, à travers la police, parce que pour certains de ces groupes armés, les motivations sont diverses, certains c'est
des motivations, on va protéger notre terre, etc. Dans une république, ceux qui se chargent de la sécurité des biens et des personnes, c'est la police, c'est pas des jeunes qui viennent, par exemple, d'une structure M, qui s'appelle groupe armé tel. Ça, c'est les constats. Ensuite, rebâtir, restaurer l'autorité de l'État n'est pas un travail qui s'est fait en un clin d'œil. Vous voyez, par exemple, on a un volet 145 territoires, on construit des bâtiments administratifs parce qu'il faut mettre les services à la base. Tout ceci ne relève pas de la responsabilité du PDDR. Je vais terminer avant que le coordonnateur de reporte sur la question dont vous avez parlé du dialogue. Il ne faut pas faire de la confusion. Il ne faut vraiment pas faire de confusion. Parce que le dialogue que réclame le M23 n'est pas à situer dans le travail qui s'est fait à ces niveaux. Parce que les jeunes qui ont touché les armes, qui vivent du métier des armes, il faut aller à leur rencontre. Il faut dialoguer avec eux. Il faut discuter avec eux. Pour certains, ils peuvent être réticents. Il faut les persuader que ce n'est pas par les armes que vous allez contribuer à la stabilisation de votre communauté, ni ce n'est pas par les armes que vous allez penser construire l'avenir de vos enfants. C'est pour ça qu'il parle de cette dimension qui n'est pas à confondre avec la dimension au niveau du M23. Monsieur l'abbé, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence, pour cette lumière donnée sur la question. Mais je vais d'abord vous répondre simplement. Il n'y a pas de stabilité à l'est du pays, pas seulement à l'est du pays. Vous savez qu'aux portes de Kinshasa, il y a toute une violence qui est en train de se passer. Et même à l'intérieur, dans nos villes, les phénomènes des Koulouna, etc. Donc il ne faut pas croire que nous manquons des foyers de violence dans le pays. Mais ce qui se passe, particulièrement à l'est, est une guerre qui nous a imposée de l'étranger. Et le chef de l'État a raison. Il a raison aujourd'hui de demander à tous les Congolais de se mettre debout. C'est toute cette campagne qui est en train d'être menée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre participation. Nous avions cette campagne Bendele Ekoyate. Ça signifie que tous les Congolais aujourd'hui sont mobilisés pour pouvoir défendre la nation. C'est pour ça qu'il y a des patriotes. Il y a des jeunes patriotes qui s'engagent et qui font le coup de feu à côté des FARDC. Parce que leurs villages ont été vidés. On a massacré des gens chez eux. C'était des gens qui, la plupart d'ailleurs, certains d'entre eux, étaient déjà démobilisés. Ils étaient dans un camp à Moubambiro. Certains, la plupart d'entre eux, étaient déjà dans le processus de démobilisation. Ils ont repris les armes parce que, justement, on a vidé leur village, on a envoyé 6 millions de leur famille dans des camps de réfugiés internes. Et ça demande donc aujourd'hui que nous tous nous puissions prendre conscience que si le pays est en guerre, si le pays est attaqué, nous devons nous défendre et c'est le soutien que nous apportons à nos FARDC et à nos vaillants compatriotes qui sont en train de se battre pour que la paix revienne. Ça, c'est la première chose. Et on ne construit pas la paix en un jour aussi. C'est pour ça que le programme de désarmement, de mobilisation, qui s'inscrit justement dans la question de la transformation des conflits, n'est pas un programme limité dans le temps. Je vais vous dire que le chef de l'État a voulu justement en faire un grand programme et il n'a pas donné des limitations de mandat dans ce programme-là. Pourquoi ? Parce que ce programme doit continuer partout où il y aura conflit, partout, quand il y aura chaque fois des motifs de pouvoir faire revenir la paix et faire revenir la réconciliation, etc. Le programme doit agir. C'est pour ça qu'il en a fait un programme à double instance. Nous n'avons pas de tutelle ministérielle. La seule tutelle que nous avons, c'est le président de la République, qui est président du comité de pilotage. Et nous sommes donc au niveau de certains autres responsables des agences, des grandes agences du président de la République, comme le chef de la maison civile, chef d'État, le haut représentant pour les processus de paix de Nairobi, le conseiller spécial du chef d'État. Nous sommes sur le même rang parce que nous rendons compte directement au président de la République. Voilà d'abord la différence avec ce programme. La deuxième différence, c'est que nous avons l'autonomie financière. Nous sommes une institution publique. Nous fonctionnons comme un ministère. Nous avons le droit de recevoir des fonds publics. Et ces fonds sont gérés par des fonctionnaires qui nous sont commis par le ministère du budget. On a un sous-gestionnaire de crédit, on a un contrôleur du budget, une comptable agréée d'État,
nommé par le ministère des Finances, un comptable subordonné. Donc nous fonctionnons comme un ministère, comme justement un ministère. Et nous sommes justement en partenariat avec tous les ministères qui s'occupent justement de ce que nous avons. Notre partenaire, c'est le ministère de l'Intérieur, parce qu'on s'occupe des questions de sécurité. Notre partenaire, c'est le ministère de la Défense. Parce que dans le volet DD, il y a la défense nationale. Il y a justement l'armée qui s'occupe de ce point de désarmement. Nous travaillons avec le ministère du plan, parce qu'il y a des plans de développement, parce que nous travaillons avec des partenaires qui peuvent nous apporter de l'aide. Nous travaillons avec le ministère des Affaires sociales, avec le ministère de l'éducation professionnelle, etc. Voilà donc là où se situe notre travail. Mais quand vous demandez, justement, si ceux qui sont engagés dans le programme peuvent aider à faire revenir l'autorité de l'État, voici ce que je vous réponds. Le PDL aujourd'hui, le programme de développement des 145 territoires, tous ces programmes là-bas sont justement le moyen de faire revenir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, ce n'est pas seulement la présence de l'armée, ce n'est pas seulement la présence de la police, c'est aussi la présence d'un administrateur de territoire, la présence d'une autorité locale, la présence de la justice, c'est la présence aussi d'une école, c'est la présence d'un hôpital. Et ça, justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Effectivement, dès le départ, ce programme devait aller ensemble avec un programme de retour de l'autorité de l'État, c'est-à-dire un programme qui développe justement, qui fait que ceux qui ont pris les armes, quand ils les déposent, puissent rencontrer une situation normale chez eux, qu'ils ne soient plus obligés de se défendre. Parce qu'ils nous disent, quand nous venons leur proposer le programme, ils disent, mais vous venez nous dire de déposer nos armes. Mais quand on va nous attaquer nos villages, quand les FDLR vont venir, quand les M23 va venir avec ses différentes dénominations actuelles, quand les autres, là, les FNL, les Red Tabara et les autres, les ADF, quand ils vont venir, comment notre village va se défendre? Voilà pourquoi ce programme marche en même temps que ce qu'on est en train d'appeler la remise dans un processus de développement de l'armée, faire de l'armée justement une armée forte, une armée. La montée en puissance. C'est cette montée en puissance là-bas, merci pour les mots. La montée en puissance des FARDC doit aller de concert avec le retour du développement dans nos villages. Évidemment, nous attelons, on va essayer de continuer pour ce que nous devons rendre l'antenne. Pour prendre la question rapidement de M. Jacques Moulouba et Pichu Moulouba, on terminera avec vous. Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur, je vous ai bien suivi. Si je peux résumer le travail que vous avez fait depuis que vous êtes à la tête de cette structure, c'est que vous avez fait le tas des lieux pour comprendre un peu le programme, puisque vous avez cité, vous avez identifié les points majeurs, les groupes armés. Mais quand on vous a posé la question de savoir le travail de fond, vous avez répondu avec une vision futuriste. Nous allons créer des centres, nous allons créer des écoles, nous allons faire ceci. Alors, ma question, elle est toute simple. Nous sommes au mois de mars. Dites-nous, vous avez encore besoin de combien de temps pour que vous commenciez le travail de fond? C'est-à-dire, combien les éléments qui arrivent, nous avons commencé à leur apprendre tel métier dans tel centre. Il vous faut encore combien de temps? Ça, c'est la première question. La deuxième petite question, est-ce que les ex-combattants ayant commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité sont-ils éligibles à votre programme? Et la troisième question, c'est la question d'un confrère, je veux le lire tel quel. Comment le programme accompagne-t-il le moratoire de la peine de mort, car la majorité des traîtres sont dans l'armée? Il n'y a pas de lien, à mon avis, ça ne vient pas entre de moi, la peine de mort et les programmes. Alors, il faut peut-être que l'on revienne sur ce qui a été dit. Le programme ne commence pas avec lui. Le programme a existé avant sous d'autres formes. Le programme a été redynamisé après sa nomination lorsqu'il explique, par exemple, l'autonomie financière et tout le pouvoir qui ont été, toute la marge de manœuvre qui lui a été donnée par rapport au travail qui est attendu du programme. Et donc, aujourd'hui, il y a des sites qui ont déjà été aménagés. Peut-être que
il fallait être plus systématique. De toute façon, c'est un premier exercice. Nous aurons d'autres occasions. Et d'ailleurs, on pourra, à l'occasion, pourquoi pas, organiser un jour une visite avec des journalistes sur des sites pour qu'ils puissent voir d'eux-mêmes le travail, comment il s'est fait. Et donc, il n'y a pas « nous allons », il y a ce qui a été fait et ce qui se fera. Voilà, monsieur Lamy. Non, il y a des choses qui sont en train de se faire. Merci pour la question. Peut-être que j'ai passé ça un peu vite parce que je voulais justement qu'on entre sur ces questions pratiques. Eh bien, nous maintenant, nous sommes en train de travailler à pouvoir opérationnaliser. Nous sommes en train de le faire maintenant. Il y a des projets qui sont en cours, que nous avons été visités et qui sont en train de se faire, que ce soit à Uvira, que ce soit en Ituri. Vous les suivez peut-être dans la presse. Mais nous allons d'ailleurs, nous sommes en train de partir encore en mission pour un camp de Kassando, par exemple, où il y avait des problèmes. Certains voulaient faire partir les gens qui étaient dans ce camp, alors qu'ils n'avaient pas encore terminé la formation pour la réinsertion et la réintégration, alors qu'ils n'avaient pas été encore tout à fait identifiés. Nous avons travaillé avec les gouverneurs de province, avec tous les services de sécurité, pour que nous puissions terminer ce travail avec les partenaires et avec nos équipes sur place. Et parmi les choses que nous avons faites, c'est aussi le fait de remettre justement en symbiose le travail de concertation, parce qu'on a des cadres de concertation provinciaux où nos coordinations provinciales travaillent directement avec ceux qui gouvernent, avec ceux qui sont ceux qui dirigent la population et ceux qui dirigent au niveau local et au niveau provincial. Nous avons fait ce travail là-bas pendant ce temps. Et nous sommes en train de faire le travail de formation. Nous avons commencé une formation sur justement la transformation des conflits et la cohésion sociale qui a été fait à Kinshasa, à Zongo, qui a été fait à Muresa. On est en train de continuer à Ituri pour le Nord Kivu et le Maniema. On fait une formation sur le DDR, comment gérer justement le DDR. Ce sont donc des choses qui sont en train de se faire actuellement. Si on avait fait défiler ces images, j'aurais vu tout le travail qu'on a fait depuis lors. C'est vrai quand même. Bon, on va prendre la dernière question. Et donc, oui, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? La dernière, c'était? La deuxième d'abord. La deuxième, c'était? Les crimes, ceux qui ont commis des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà, justement. Dans le programme, nous avons justement un programme de justice transitionnelle. Nous avons une section de justice transitionnelle. Nous avons une section pour les enfants qui ont été affectés par la guerre ou qui appartiennent aux groupes armés. C'est ça qu'on appelle la section EAFGA. Nous sommes en train de revigorer un vrai programme du genre. Parce qu'il y a des femmes qui ont été traumatisées. Des femmes qui appartiennent justement aux groupes armés, des femmes qui ont été victimes des groupes armés, dont nous sommes en train de nous occuper maintenant, parce que ce n'est pas une chose dans le futur, c'est en train de se faire maintenant, ce n'est pas dans le futur. Nous continuons ce travail, le travail qui avait été commencé, nous sommes en train de maintenant le faire parachever par justement la sortie de tous ces gens qui ont été dans les camps, pour qu'ils entrent dans la troisième phase de réintégration. Et c'est ça le travail qui nous incombe. 6 mois, nous avons fait un programme sur 6 mois, mais dans les 6 mois, on ne peut pas tout faire. Voilà. Il faut d'abord programmer. Voilà. On va prendre la dernière question avec Pichu Mulumba rapidement, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Le premier volet de ma question au coordonnateur a été déjà balayé par mon prédécesseur, mais juste un dernier volet, monsieur le coordonnateur. Le Patriote Wazalendo sont-ils concernés par votre programme? Et excusez-moi, monsieur le ministre, de prendre une question d'actualité. C'est pour demander si on peut en savoir un peu plus sur les conclusions de la récente réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine concernant notamment les déploiements de la mission de la SADC en RDC. Y a-t-il évolution à ce jour? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler, mais il y a eu une réunion, évidemment, dans le cadre du front diplomatique et une réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Vous aviez sûrement vu qu'il y avait une lettre du ministre des Affaires étrangères rwandais qui a circulé, qui demandait aux Nations unies ou au Conseil de paix de l'Union africaine
de ne pas considérer la SAMI-RDC comme une réponse à la situation sécuritaire en synthèse. Mais cette réunion-là, je pense que l'Union africaine n'a jamais été aussi claire sur la situation dans l'Est de la RDC. Non seulement qu'ils se sont réjouis du déploiement de la SAMI-RDC, je veux m'assurer qu'avec nos services, nous puissions vous partager les communiqués, non seulement qu'il y a eu cet engagement côté de la SAMI-RDC, mais l'Union africaine s'est aussi engagée à mettre à disposition ses moyens, y compris militaires, basés à Douala. C'est pour vous dire que dans le cadre du front diplomatique, justement, nous marquons deux points. On a des fronts militaires, je ne veux pas revenir sur la différente stratégie. Et vous allez voir que depuis, en tout cas, la dernière sortie du président de la République à Addis Abeba, nous ne récoltons que de succès et de progrès de ces points de vue. Je crois que nous aurons l'occasion, peut-être, on verra la disponibilité du vice-premier ministre Lutundula, dès qu'il pourra, pour que nous puissions rentrer dans les détails de ces différentes réunions. Je peux, par exemple, vous lire, parce que je viens de retrouver le communiqué, au point 10, l'Union africaine, le Conseil de paix a demandé à la Commission de l'Union africaine d'accélérer les transferts de l'équipement à la SADC, qui se trouve toujours à la base logistique continentale à Douala. Donc l'Union africaine va apporter son soutien logistique à la SAMI-RDC qui va se déployer dans l'est de la RDC. Il parle d'une mise en œuvre efficace. C'est pour vous dire que voilà, nous sommes en tout cas engagés sur les voies qui pourront nous permettre de donner une réponse définitive à la situation dans l'est de la RDC. Ça prend du temps, mais nous sommes dans la bonne direction. Alors, vous allez terminer rapidement sur cette question de Wazalène Douala, elle est cruciale. Exact. Et on va rendre l'antenne pour le journal de la RTNC. Eh bien, voilà. La question aujourd'hui qui occupe les gens, c'est quel est le lien entre le programme de désarmement et ce qu'on appelle les Wazalendo. Laissez-moi vous rappeler que Wazalendo signifie simplement patriote. Il y a eu peut-être une communication qui n'était pas peut-être correcte au début, parce que quelqu'un avait dit tous les Maïmaï, tous les groupes armés deviennent des Wazalendo. Bon. Vous pouvez ne pas être dans un groupe armé, vous êtes Wazalendo parce que vous êtes patriote, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on prenne ce terme-là parce que ça a fait que beaucoup ont commencé même à créer des faux Wazalendo, des gens, même peut-être nos ennemis ont créé aussi des Wazalendo. Quand on parle de Wazalendo aujourd'hui, il faut craindre justement cette dérive communicationnelle. Eh bien, on sait qu'il y a des gens qui étaient déjà dans la voie de démobilisation, qui ont repris les armes pour défendre la nation, pour défendre le pays. C'est le droit de tout le monde. Mais attention, la loi sur la réserve armée de la défense, qui est venue justement de la loi de programmation militaire. Vous vous rappelez que l'ancien ministre de la Défense était venu parler de cela ici. Et il avait parlé aussi de la politique nationale de défense. Nous étions là. La loi sur la réserve armée de la défense, elle vient de cette politique nationale de défense parce qu'on définit là-dedans qui peut devenir réserviste de la République. Comme dans toutes les armées du monde, eh bien, les réservistes, c'est la roue de secours de l'armée. Ce n'est pas un travail permanent, n'est-ce pas? Vous pouvez venir, ce sont les anciens combattants, les officiers à la retraite, ce sont les civils qui signent un contrat avec l'armée pour apporter leur expertise à l'armée. Il y a des volontaires ici. Oui, ce sont les volontaires. Donc actuellement, nous avons des volontaires qui acceptent d'accompagner justement cette défense de la nation qu'on est en train de faire. On peut les appeler génériquement Wazalendo juste pour... Mais pour le moment, vous savez que les réservistes doivent subir une formation. Et quel est le lien avec nous? C'est que, en fait, tous ceux qui sont en train de faire le coup de feu aujourd'hui vont revenir vers le PDDRCS. Parce qu'ils doivent être démobilisés. Réinsérés économiquement, réintégrés dans leur communauté, et ceux qui ont commis des crimes de guerre, aller vers la justice transitionnelle, et redevenir civils. Alors, devenir civil, il n'y a pas de problème. Les gens qui recrutent pour les réservistes peuvent les recruter, mais c'est parce qu'ils sont redevenus civils. On ne recrute pas dans la réserve armée de la défense des gens qui portent encore des armes. C'est-à-dire qu'il faut faire cesser cette confusion de croire que chaque fois qu'un groupe armé se présente, on dit « désormais, je suis réserviste, je vais porter l'uniforme ». On entre, le principe est clair, le chef de l'État l'a dit depuis longtemps, on entre dans l'armée en suivant le curriculum de l'armée, n'est-ce pas?
On entre dans l'armée en suivant justement un cheminement. On entre dans la réserve armée de la défense en suivant justement un cheminement et une formation. Parce qu'on ne peut pas... Mais pour le moment, actuellement, nous encourageons effectivement nos jeunes à pouvoir aller, à pouvoir défendre la nation. Et nous encourageons ceux qui ont accepté de donner leur vie pour pouvoir défendre la nation. Et qu'on les appelle oisalendo ou réservistes, mais pour le moment, je sais pour moi que le PDDRCS garde ce principe qu'il n'y a pas de cahier des charges des groupes armés. Parce que si demain, quelqu'un dit « Non, parce que moi j'étais Mousalendo, je vous demande de me donner un ministère », vous comprenez que ça, nous sommes en train de reculer. Il n'y a pas de cahier des charges et on ne recrute pas dans l'armée des gens qui sont, ils peuvent accompagner l'armée. Et aujourd'hui, nous les encourageons. Nous tous, nous sommes Ouazalendo, si je puis dire, parce que nous sommes en train de défendre la nation, mais il faut faire la part des choses sur cette communication, n'est-ce voilà. pas ? Merci de la précision. Je pense qu'on va terminer cet exercice de redevabilité par là. Beaucoup de questions, mais aujourd'hui, nous avons voulu apporter une part de lumière dans ce qui s'est fait dans le cadre de ces programmes. Je crois qu'on n'a pas épuisé la matière et il se ressort qu'il y a effectivement un besoin de faire une bonne communication, notamment sur la localisation des différents sites. Les moments venus, nous pourrons voir dans quelle mesure nous nous prêterons pour vous accompagner comme on a voulu faire cet exercice de redevabilité ce soir. En 30 secondes, quels peuvent être vos mots de conclusion? D'abord, dire merci d'avoir pu organiser cet exercice pour que, dès le départ, nous puissions nous entendre sur ce qu'est le programme, pour que les gens comprennent que ce programme est un programme non seulement pour apporter la paix, pour mettre fin à la prolifération des groupes armés, pour pouvoir travailler sur le développement, un programme de sensibilisation à la paix, un programme de réconciliation nationale, mais aussi un programme présidentiel qui va tout droit dans le sens du retour de la sécurité et de la paix. Et deuxièmement, je voudrais dire que ce programme est en train de travailler justement sur des volets et qui ne sont pas nécessairement des volets locaux. Nous sommes en train de travailler avec la communauté internationale aujourd'hui qui se penche sur le Congo d'une façon un peu biaisée pour qu'on comprenne que la République démocratique du Congo a besoin de paix et qu'on ne peut pas continuer à encourager les gens qui créent des groupes armés par participarité. Hein, aujourd'hui, c'est AFDL, le lendemain c'est RCD, le lendemain c'est CNDP, le lendemain ça devait M23-1, M23-2, M23-3, M23 rénové, etc. Et on ne peut pas continuer, nous ne pouvons pas faire la paix, nous ne pouvons pas demander aux gens de déposer les armes si les autres continuent à nous fabriquer des groupes armés. C'est pour ça qu'on est en train aujourd'hui de revigorer, de remettre à jour l'accord cadre d'Addis Abeba pour que les autres, ceux qui nous créent des misères, respectent aussi leurs engagements. On est au 11e anniversaire, vous le savez, de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous sommes en train de travailler à cela. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans une période bien précise où la MONUSCO est en train de partir. Nous devons faire comprendre à tout le monde que le départ de la MONUSCO n'est pas le départ des Nations Unies, parce que les agents des Nations Unies continuent. C'est pour ça que, profitant du fait que c'est au Sud Kivu que va commencer le désengagement de la MONUSCO, nous avons proposé de pouvoir faire une conférence de haut niveau à Bukavu dans le mois qui vient, vers la fin du mois d'avril, pour que nous puissions travailler à comprendre quels sont les mécanismes. Parce que le chef de l'État voudrait que nous fassions cela de façon civilisée. Eh bien, nous travaillons avec le gouvernement, avec toutes les instances, avec la MONUSCO, pour que nous puissions réfléchir ensemble sur les conditions de ce désengagement et les conditions de cette transition. Voilà. Vous nous accompagnerez donc dans cela. Nous communiquerons là-dessus. Il y a tellement à dire que je suis sûr que nous aurons plusieurs occasions de revenir dessus, mais cette fois-ci, en étant un peu plus précis sur ce qui s'est fait et sur l'évolution. Aujourd'hui, ce n'était qu'une entrée en matière. Merci à vous d'avoir pris part à cet exercice. On pourra peut-être se revoir en semaine prochaine, toujours dans ce cadre de redevabilité. Très bonne soirée chez vous. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, d'éviter l'alcool et de suivre les recommandations qui ont été formulées pour lutter contre les conséquences de la canicule. Aujourd'hui, il a fait beau, j'espère que ça le sera demain. Merci et bonne soirée chez vous.